Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Jurassic World Evolution. Donc on va partir pour la dernière le site Isla Sorna. Donc avant de partir, je vais vous faire la présentation du parc ultime à Isla Peña. Donc après avoir terminé le contrat de divertissement, j'ai décidé de faire un parc full carnivore, comme je vous en avais parlé. Et donc je vous présente un petit peu les enclos. Donc là on se retrouve ici avec une meute de 3 Cerastorus et une douzaine de Dilophosaures. Donc là c'est un enclos pour un peu, on va dire, réaliste du fait que c'est que des espèces du Jurassique, le Ceratosaure et le Dilophosaure. Ici, dans cet enclos de base où il y avait les Ankylosaures, donc j'ai mis les Herrerasaurus, donc ce sont des petits carnivores en meute du Triassique, accompagné de deux géants, à savoir deux Carcharodontosaurus, donc ce sont des carnivores du Crétacé, si je me trompe pas, j'essaie de retrouver ça. Et ils m'ont coûté assez cher à faire au passage. Voilà. Donc je vais vérifier, c'est bien du Crétacé. Ouais, je crois que c'est ça. Le troisième enclos au nord, donc là, nous avons deux Mitriacanthosaures, donc deux grands carnivores entre guillemets. Plus 8 Deinonychus. Ils devraient s'allouper quand ils sont comme il faut qu'ils soient au minimum 3 pour être bien entre eux. Et enfin, de l'autre côté, nous avons 6 Vélociraptors et bien sûr un T-Rex. Moi je les parle même si T-Rex, mais du coup c'est bon pour cette île, j'ai fait toutes les recherches qu'on m'a demandé. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres fossiles à faire, non. Il n'y avait plus rien, on était à jour. Au niveau du déplacement, donc j'ai commencé en off la mission d'Isla Muerta Est. Donc j'ai réussi à avoir les 5 étoiles du coup, mais bon, je l'ai fait en off, mais je suis bloqué à cause des missions. Donc je retournerai plus tard là-dessus pour la finir. Je ferai ça hors jeu, quoi. Et du coup, on va se rendre sur l'île ultime, à savoir Isla Sorna. Le site B qu'on voit dans Jurassic Park 2 avec là, tous les chasseurs pour amener des dinosaures, je sais pas quoi, San Diego. Et aussi dans Jurassic Alan Grant, qui est Liam Neeson, si je me souviens bien, qui part aider des parents pour chercher un gosse qui sera retrouvé là-bas, quoi. Et part. Voici Isla Sorna. Sa superficie est supérieure à celle des autres îles. Plus de possibilités de succès. Et plus de risques d'imprévus qui finissent toujours par vous sauter à la gorge. Une île que le docteur Malcolm ne connaît que trop bien, le site B, où la nature a largement repris ses droits. Apprivoiser ce lieu va être votre plus grand défi. Et en parlant d'apprivoiser, l'île est peuplée de quelques attractions sauvages. Du genre grosse bête au croc long et assez gros. Ne vous laissez pas tromper par cet endroit. Tout comme Central Park à New York, ce qui semble naturel n'est en fait qu'une illusion savamment élaborée. Sur cette île, les dinosaures vivent à l'état sauvage hors de tout contrôle. Mais est-ce bien le cas s'ils sont parqués dans des enclos? Leur situation, leur existence même, sont à la fois artificielles et réelles. C'est un cauchemar qui se répète. Comme la courbe du dragon, un ensemble de Mandelbrot potentiellement dangereux. Fractal, fraction, fracture, des mots qui ont la même racine latine. Frangere, qui signifie briser. Vous voyez, en fin de compte, destruction et création ne font qu'un. Ok, donc on est parti, je vais commencer par détruire tout ce qu'il y a sur cette île. On va rebâtir des enclos classiques et solides à l'ancienne. J'ai mon plan d'île. On a un gros potentiel sur cette île, donc à nous de bien exploiter. On a vu qu'il y avait des stégosaures et un spinosaure. On se fait de l'argent, c'est pas mal. Alors on va réfléchir, on va regarder un petit peu comment on va faire. Bon, j'ai oublié là. Ok, alors on a une dizaine de stégosaures ici. 4, ouais, on en a une bonne petite dizaine. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est que, alors là, je vais bâtir. Alors qu'est-ce qu'on a, j'ai oublié quelque chose ici. Oui, j'ai oublié une clôture. On va bâtir un. Je
commencer par bâtir quoi? On a des centrales électriques ici, hein. Donc on a de l'eau, ouais. Est-ce qu'on mettrait pas un coin Comment on fait déjà pour pivoter? Je sais même plus. Ah, voilà. Alors attends, je vais bien me remettre dans le sens de la marche. Je vais me remettre là. Là, c'est l'entrée, d'accord. Alors ici, on pourrait peut-être faire des petits enclos pour commencer, capturer quelques stégosaures. Donc je pense, je regarde juste un truc pour le stégosaure, c'est jusqu'à combien ils peuvent vivre entre eux et combien au total. Donc entre 5 et 9, ok. Et une population idéale de 15, d'accord. 1, 2, 3, là on en a 6, on va les embarquer. Alors, on va prendre des clôtures quand même en acier renforcé, on va être correct. Et là, je vais devoir faire attention parce que là-bas, ça mène à un autre endroit. Donc, ce que je vais faire, on va essayer comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, on est pas mal. Derrière, je vais mettre une porte ici. Voilà, c'est pas mal. En attendant, il va nous falloir pas mal de choses, à savoir de l'électricité. Donc, je pense qu'une grande centrale électrique serait pertinente, mais la question de savoir où la mettre. Ouais, on va la mettre là. Je vais faire une allée, une grande allée simple jusque là. Voilà, c'est pas mal. On va commencer à construire notre parc. Ok. Je pense qu'on va faire plusieurs sortes de petits villages, comme j'appelle ça. Donc, opération. Il nous faudra tout de suite les opérations, à savoir ce qui est le poste des gardes pour commencer. Très important. Et aussi le centre de Lucé. On aura déjà deux des bâtiments essentiels pour surveiller nos dinosaures sur cette île. Voilà, c'est pas mal. On va mettre un compost électrique ici pour couvrir la plus vaste zone possible et imaginable. Est-ce que ça passe? Normalement, ça devrait être bon. Derrière, je vais attendre que ça se termine. Alors, qu'est-ce qu'ils sont d'électricité à cette poste électrique? Là, on en a combien, rappelez-moi? On en a 5. Et les autres, je pense qu'on va les revendre pour commencer. Il nous faut une source de dinosaures de base. Donc là, je commence à préparer Bon, ça, c'est faisable. Faut pas que j'oublie les contrats non plus, moi. Par contre, là, dans cet enclos, il y a trop d'eau. On va restreindre un peu la zone. Voilà, ça me semble pas mal. Opération, il nous faut une couveuse. Enfin, un labo de création à monde, si vous préférez. À moins que je le mette là, non, ça rentrera pas, il y a la porte qui gêne. Ok, c'est bon. Non, non, c'est pas bon en fait. Ah, putain, on a perdu des sous. Opération, il nous faut... Voilà, ça devrait aller comme ça. Deux secondes, on va relier.
Ok, donc là on a déjà l'électricité qui est en place, on a déjà perdu pas mal de place. Alors, je vais mettre une meilleure production. Je vais en mettre 3 comme ça, production améliorée à 3.0. Et derrière, je vais mettre coût d'entretien réduit et protection contre les coupures ou les sabotages. Voilà. Donc on se retrouve avec une production d'électricité à 166. Donc on a gagné 20% x 3, ce qui est quand même assez phénoménal. Ensuite, au niveau des enclos, on va tout de suite préparer ceci. Voilà, j'ai ma première galerie panoramique. Il nous faudra aussi une station de couverture météo. On peut avoir la grande, je crois. Ah ouais, ça passe. Alors, je vais commencer par préparer les améliorations pour Lucie. On va mettre 3 plannings pour avoir 5 tâches. Donc là, c'est pareil partout. Et on va ajouter une précision de Lucie et une vitesse de rechargement de Lucie améliorée. Je vais tout de suite donner des ordres. Alors là, ils sont 5. On va bien vérifier. 1, 2, 3, 4 et un 5. Voilà. C'est le début. Ensuite, visiteurs. On va regarder un peu les meilleures boutiques qu'on peut avoir. La salle d'arcade pour le divertissement, ça me plaît bien. Boutique à jouer, bof. Le bar pour les boissons, je prends. On est à deux bâtiments complémentaires. Il nous faudra un restaurant. Voilà. Par contre, il va falloir bien choisir où le placer. Ouais, bon. Ça devrait aller, je pense, là. Et accompagner. Alors, on avait dit restaurant, il nous manquerait une boutique de prêt-à-porter. Et je pense que tout sera parfait. Voilà, je pense qu'on a une bonne première zone ici. Donc on fera, je pense que je mettrai les Stegosaures et les Kentrosaures ensemble. Parce que je pense que je peux avoir accès au Kentrosaures, il me semble, grâce à l'une des missions. Je vais quand même ajouter une nouvelle tâche. Donc ça en fait combien là qui sont dormis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va essayer de l'en rajouter 3 de plus et ça devrait être suffisant, je pense. Après, on peut tous les endormir et les revendre, on se referait de l'argent. Mais bon, il nous faut une base pour notre parc, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense qu'on va en mettre 8 dedans, ce sera suffisant. Je vais regarder aussi pour... alors. Un Jurassic Miam, on va le mettre à 20$, ce qui est correct. Ici, on va passer au t-shirt à 20$. La salle d'arcade, on va pas mettre du rétro, mais on va mettre de la génération actuelle. On va le mettre à, alors, on va mettre 12$, ça fera 12 et 12, 6 ou quoi que, ouais. Hop. Le bar. La dino buvette, on passe au dino bar. On va mettre 28$, comme ça on récupère notre mise. Ok, bon, c'est pas mal. Le début du parc est assuré. On se fait des sous ou pas? Ouais, on se fait quand même des sous, c'est pas mal. Et je vais quand même commencer, alors, pour le début de la série, enfin pour le début de cette île, je vais commencer par préparer les contrats de la division science pour l'objectif. On va essayer, ouais. Et là, on va lancer l'extraction des dinosaures dans le nouvel enclos. Là, les hélicos arrivent. On a déjà 6 de près. Je vais ajouter. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va en rajouter
2. Ça nous en fera 8. Ah bah tiens, on en a 2 là. Parfait. Les autres, on va les revendre. On va pas aller à 9. 8, 8, 8, 8. Toi. Et là, ça va être le transport massif de dinosaures. Voilà. Ok. Ensuite, on va préparer des mangeoires. Je pense que ici, 2 mangeoires devraient suffire. Je pense que les stégosaures ne seront pas trop agressifs, mais bon. Une fois qu'ils seront 5, ça devrait aller tout seul. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'en ai oublié un. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, il n'y a pas été rentré en compte. C'est con ça. Ah bah ça, il va être transporté, je viens de le voir. Bon, on est pas mal là. Le parc va redémarrer progressivement. Non. On va essayer de faire un peu de mission. Ouais, on va essayer de faire ça. On va commencer les autres opérations. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Un centre de recherche. Un centre d'expédition pour nos fossiles, parce qu'on va avoir besoin d'argent pour ce parc. Hop, ah, il nous manquerait un poteau électrique, enfin un poste électrique. Voilà. Centre d'expédition, centre des fossiles, qu'est-ce qu'il manquerait à un centre de recherche? Le mettre ailleurs, le centre de recherche, ça va être compliqué. Là, on pourra pas le caser. De toute façon, le monorail, je compte en faire un. J'essaierai de passer par les enclos. Je pense que ça peut le faire. Alors, je suis sûr que j'avais une place, mais bon. Ah, il y a de l'eau là. Eh ben, on va couvrir l'eau. Voir s'il y avait de l'eau quelque part. Voilà. Alors, est-ce que les stégosaures, ils sont contents ensemble? Ouais, ça va. Ils ont l'air d'être calmes, alors moins que... Ah, il manque de la forêt. Il m'a suffi de le dire. Voilà, ça devrait être suffisant, j'espère. C'est parfait. Donc, les ankylos sont revenus. Là, on va vendre, on va... Il y en avait 2 qu'on va rajouter en plus, comme ça on en aura 8 qui sont en route. Les 2 là, on va les vendre. On va se refaire un peu de sous. Qu'est-ce qu'il nous reste là encore? Il y a un spinosaure et quelques stégosaures par là. Ce que j'aime pas trop dans Jurassic World, c'est quand il y a des dinosaures sur les arbres, on les voit pas trop. C'est ça le seul reproche que j'ai à faire. Centre de recherche, est-ce qu'il n'y a pas une petite place qui peut se libérer, je ne sais où. Voilà, ça devrait aller comme ça. Oh ouais. Nos boutiques à portée, elles se rapportent déjà à masse de gens, c'est plutôt cool. On va continuer à upgrader tout ça. On a l'axe principal ici de ce quartier, enfin de ce quartier, de ce village dinosaure, on va dire. Ah, il va y avoir un combat entre les deux, il fallait s'y attendre. Je vais commencer à préparer le... Je sais pas de c'est qui à moi, à mon avis, Stégosaure, il est très mal barré.
Ouais, il va l'achever. Hein. Le Spinosaurus. Ouais, il lâche, je m'en doutais. Bah, bon appétit. Voilà. Alors, carte des expéditions maintenant. On va voir un peu ce qui nous attend. On a encore pas mal de nouveautés. Pentaceratops, Apatosaur, Stegosaur. Bon, on va faire ça. Et on va prendre du. Ah, on a encore du dinosaure là, c'est pas mal. Ulcanthrosaur, on l'a pas. Je sais qu'on normalement il est là-bas. Ah non, on l'a déjà. Bon, j'ai rien dit. ok, bon, on va partir. Hein. On va rusher le Stegosaur et le Sauropelta, je pense, pour débuter. Ça semble un bon début. On a un dinosaure mort, à savoir un Stegosaurus décédé au sud d'un combat contre le Spinosaure de l'île. Alors je vais le revendre lui. Et bah déjà nous. Hop, on va passer au niveau 2. Qu'est-ce qui nous manquerait ici? Un hôtel, je dirais, ou deux. On va faire l'hôtel tout de suite, visiteur. Question de savoir où on va le placer aussi. Faut qu'il soit bien relié. Et si on mettait un. Enfin ouais. Est-ce que ça gênera pas pour le passage? C'est juste ça qui m'inquiète. Pas me dire, je pourrais pas te caser, c'est ça. Je vais juste voir si Monorail pourrait rentrer là-dedans. Ah, il passerait, ça c'est cool. Bon, pour le moment on le fait pas, mais j'ai peut-être mon plan de quartier, entre guillemets, de quartier de village si vous préférez. Je vais faire un autre contrat de sécurité de science, pardon. Ok, on a une nouvelle tempête qui approche. Hop. Ce Bon, ça va être facile. Enfin, ce n'est que mon avis. Qu'en pensez-vous? Du palladium, c'est du métal ça. Apatosaur. 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 Fossile de cordée, d'accord. Palladium. Et là, on a du stégosaure en masse, on va le prélever. Aussi améliorer la couveuse, vitesse, pas vitesse d'incubation, amélioration de la viabilité, on est qu'à 2.0, qui est étonnant. Et j'ai oublié de mettre des abris, ça c'est pas, ça pue un peu. Oui, je sais qu'il n'y a pas de piste. Ouais, on va pas traîner à construire un abri. Oh. J'ai peut-être fait une erreur en mettant des clôtures de base. Il faut que j'améliore la. Alors, ici, toi tu viens là. Toi tu viens là. Je sens qu'on prend tellement cher à cause de cette tornade à la con. Ça, écoute, les trucs de planning, c'est correct. Et vas-y, allez. Évidemment, il faut que la tornade passe là où j'ai fait l'enclos, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Je vais également créer une seconde équipe de garde. C'est ton jamais, hein. Une grande centrale électrique a été endommagée. Autant qu'à faire, on fait tout, hein, la couveuse. Voilà quoi. Alors, je vais revendre les dinosaures restants. Ça, les stégosaures, il y a du monde, il y a de la marge avant qu'ils pètent un câble. Alors là, j'ajoute une tâche. On va tout de suite réparer ceci.
La couleuse. Ça, vous pouvez me le réparer, ça sera important. On va essayer ça, ouais. Ouais, il y a moyen, je pense. Hein. On est qu'à 12 000, mais bon. Donc ça, en fait, c'est sur la durée, de ce que je comprends. Je vais également... D'où? Ah, j'ai pas mis la ligne, merde. Voilà. Voilà, tornade, elle est loin, j'espère. Bon, ils sont tous endormis derrière là-bas, c'est cool. Ouais, sauf un. Est-ce que je pourrais utiliser le temple de fossiles? Ouais. Je vais ramener une nouvelle expédition. Donc on va continuer avec le stégosaure, l'apatosaure et le stégosaure ici. Ce sera déjà pas mal. Et là je vais commencer à cuver du kentrosaure sans modification pour avoir l'enclos complémentaire. G-H-I-J-K. Je sais pas combien ils peuvent vivre. Bon, on va déjà en mettre deux. Alors niveau recherche, je n'ai pas été faire le tour, mais on va y aller. Alors on a 4 éléments de recherche génétique ici, ok. Bon, je les ferai sur une autre île, je pense. Au niveau des barrières, oh, les enclos, il y a des améliorations, qu'est-ce qu'on a? Mangeur pour grand herbivore XXL, mangeur pour petit herbivore XXL. Allez, on va faire les mangeurs en priorité. Et je pense que, je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense que je vais faire des recherches et je vais attendre. Attends. Merci. Hop, voilà. Je regarde un petit peu où ils en sont. Je vais également dire à l'hélico. Non, pas, c'est pas l'hélico. Je dis de la merde, c'est aux équipes de transport. D'aller revendre tous les dinosaures qui restent. Voilà, on va se faire un peu d'argent en plus, c'est toujours ça de prix. Je voulais vous dire que je vous suis reconnaissante pour ce que vous faites pour la division science. Voilà, c'est fait. Ok, bon bah c'est bon. Avec l'émission, on gère. C'est dans la poche. Vous en tirez bien. Continuez comme ça. Juste voir ce qu'il nous demande, quoi. Est-ce qu'on peut déverrouiller? Alors. Sorna est difficile à gérer, mais vous avez réussi à propulser. Ouais, donc on fera la mission scientifique en premier. Voilà qui vaut bien une petite récompense. On fera mission scientifique, sécurité et divertissement. Je pense que ça me semble un bon plan. Non, non, revendons pas ça. Hop, apatosaure, apatosaure. On va commencer le sauropelta aussi. Ça rapporte pas mal le palladium. Hop, hop. On se fait des bons bénéfices, donc là on va se faire 440 000 grâce à ces métaux. Le gène de stégosaure va être viable. Alors par contre, qu'est-ce qui cloche encore? J'ai pas réparé. Ah, alors il me reste le resto. Ok. Et la centrale. Là, on a un bon petit quartier qui se développe. Donc là, on perd des sous. Ah, la boutique de prêt-à-porter est prête à s'étendre. Voilà. On gagne que 20 personnes. C'est toujours 20 personnes qui sont contentes. Mais ici, il va nous falloir au moins 2 hôtels. Wow. Ouais, la zone de fossiles, c'est pas utile, je trouve. Pour ce que ça rapporte, non. Non, on va mettre un hôtel près de ça, faut pas déconner. Vous savez quoi? On va tout de suite recouvrir la zone. Donc là, les recherches se terminent, il ne restera plus qu'une. Mais non, c'est pas ça. Voilà. Eh ben, on va voir pour les Kentrosaures tout de suite. Alors, je termine, je fais l'hôtel et
On va voir comment ils vont réagir. Allez. Un autre grand poste électrique si possible à caser. Ah dommage, il manque pas grand chose en plus. Je vais le mettre là. On va relier comme on peut. Voilà, c'est pas mal. Je vais préparer déjà une dernière mission de sécurité. De divertissement, de science, pardon, je vais y arriver. Et on a encore des bâtiments qui sont hors d'électricité. Mais pourquoi? Comment la division science? J'ai un travail à vous confier, si ça vous intéresse. Bon, bah écoute, hein, si c'est pour gagner un peu d'argent, pourquoi pas. Voilà. Quel bâtiment ne parle pas d'électricité? Bah c'est normal, il est pas encore opérationnel de mon oreille. Qu'est-ce que vous croyez? Alors on va revendre ceci, ça, ça et ça. On continue l'extraction de Stegosaurus et tout le reste. Ah oui, je vais incuber les Kentrosaurs, c'est ça que je devais faire. Et voilà, donc c'est un mini stégosaure, en gros, c'est un cousin africain du stégosaure. Je pense que c'est une bonne idée de les mettre un kentro, des kentro et des stégos ensemble. Très beau travail sur ce contrat. Ah, il faut qu'il soit 3 minimum. Ok, bon, on va pas trop traîner. Je vais te... Kentrosaurus est un herbivore qui semble relativement inoffensif. Ce qui, dans ce parc, signifie un peu dangereux quand même. Ah bah oui. Ouais, c'est facile ça. Donc on va tout de suite en faire. J'ai déjà le troisième en cours. Le confort, ça va pour le moment. Du coup, on a recommencé un premier quartier, enfin une première zone dinosaure. Donc je vais vous laisser là pour cette session. Je vais te sauvegarder. Hop. Voilà, donc je pense que je ferai peut-être qu'un ou deux ans. Là c'est juste pour faire l'enclos pour les trucs, quoi, pour les missions. On verra comment ça se passe. Donc je vais vous laisser pour cet épisode. C'est la fin du début d'Isla Sorna. Donc là je vais jouer en off pour avancer pour les missions. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas encore quel autre dinosaure je mettrai, donc on verra plus tard. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre la chaîne, l'actualité, les vidéos et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, les amis. C'était Kaiser von Kerstein sur Jurassic World Evolution. Merci d'avoir suivi et à bientôt.